Bon, salut tout le monde, on se retrouve cette fois-ci pour l'épisode 3. Donc la dernière fois, on s'était quitté au Mémorial, donc c'était pour aller vers Paris ou je ne sais où avec je sais plus quel ferry. Alors voilà, on était ici. Pour récapituler, alors on a nos trois sorts. J'ai amélioré la possession et laissé tout. Et j'ai le fusil à pompe. Alors je baisse le son parce que là, comme d'habitude, je m'entends pas parler, c'est un petit peu chiant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Emmener Elisabeth au dirigeable, première dame. Ah ouais, voilà, c'est ça qu'on doit faire. On doit emmener cette catin au dirigeable pour se diriger vers Paris, tout simplement. Ok, ouah, tout par hasard. Merde. Où est-ce que je vais? T'es fermé. Ah, comme par hasard. Comment va-t-on pouvoir rejoindre le dirigeable? Voyons si je peux ouvrir cette porte à la main. À la main? Ah, t'es un Américain, toi. Attends, je vais essayer. Soulever la grille. Ah, peut-être avec son bazar bizarre là. Non. Ah, si, il y arrive. L'électroquartz, le meilleur des générateurs. Un genre d'électricité, sûrement l'idée d'un fou. On dirait que ça ne marche pas très bien. Ouais, c'est cool. Alors c'est quoi ça? Utiliser le distributeur de cristaux. Putain, ça m'intéresse. J'imagine je me mets devant et qu'il m'en donne. Bon, bah c'est bon. Alors, tout droit. Emmener Elisabeth au dirigeable. Nous y voilà, la première dame. Il se dirige vers le quai. Et il nous emmènera à Paris? Oui, à Paris. Ne t'éloigne pas. Oui, monsieur DeWitt. Booker. Oh, très bien, Booker. Vous voulez rejoindre la nacelle ou vous promener sur la jetée? Je suis sûre que nous trouverions des choses utiles par ici. Où est-ce que je dois aller? Et elle, j'y pense, elle a pas de crochet donc elle peut rien faire. J'imagine que je dois aller déverrouiller un faire pour venir la nacelle si on veut rejoindre ce dirigeable. Ah oui, voilà. Je crois que ce sont les commandes qui la dirigent. Ça ne bougera pas si on n'a pas d'électroquartz. Bien entendu. Yes. Donc j'imagine que je vais avoir le pouvoir de l'électricité sûrement. Regardez, découvrez l'avenir de l'énergie dans l'antre des héros. Ah, ben voilà qui tombe à pic. Trouver l'électroquartz dans l'antre des héros, d'accord. Donc normalement ça doit être le pouvoir d'électrique. Enfin d'électricité si je dis pas de conneries. Je sais pas trop où est-ce que je dois aller. Donc apparemment quand je fais les sauts sur l'aéro je sais pas quoi là, elle arrive à me suivre. Enfin le monsieur automatiquement on va dire. Qu'est-ce qu'il tire dessus là? Putain, le fusil à pompe il fait très mal. Première fois que je le teste devant vos yeux émerveillés. Par contre c'est 4 munitions, c'est pas top. Bon, il est très efficace, mais il y a peu de munitions. Merci. Alors, Elisabeth trouvera parfois des objectifs vous proposant de vous les lancer pendant les combats. Appuyez sur E pour les accepter. Ok, ok, ça marche. Je dois aller où, là? Par là-bas, trouver l'électroquartz. Putain. Et le fusil à pompe, je vais le kiffer. Je le kiffe déjà, en fait. Putain, il y a encore des trous. Mec, un fusil à pompe, normalement, corps à corps, tu crèves. Nickel. Donc, j'ai nettoyé la zone. Alors. Allez, on va chercher l'électroquartz. Alors, je vais regarder ce qu'il me propose, lui. Kill de soin. Ah ouais, non. On tape. Putain, j'ai déjà 700 dinars. Merci beaucoup. Entre des héros fermés jusqu'à nouvel ordre. Bien, on n'aura pas à faire la queue. Ok, ok. Appuyez. Je dois faire quoi là? Ah, appuyez sur le bouton, d'accord. Voilà. Il y a un problème? Non,
Non, rien d'insurmontable. Ouais, on est bloqué là. Je dois faire repartir cet engin. Ça se passe comment? Allô, je fais comment? Je devrais jeter un œil au panneau, il y a un court-circuit. Au panneau. Ah, c'est là. Alors, est-ce que c'est une énigme? Ça va se présenter sous quelle forme? Ouais, je crois que c'est une énigme. Quoique... Oh, une abeille! J'ai horreur de ça! Eh ben, tu l'as alors! Non, elle va me piquer! Elisabeth! J'ai une bien meilleure idée! J'essaie d'ouvrir une faille! Oh, mâche! C'est quoi ça? C'est une faille! J'en ouvrais très souvent quand j'étais dans ma tour. Ouais. C'est quoi une faille? Tu fais comment? C'est comme une fenêtre. Une fenêtre vers un autre monde. La plupart sont d'un ennui mortel. Une serviette d'une autre couleur, du thé au lieu du café. Mais parfois j'y vois de vraies merveilles. Et je les fais sortir. Et voilà. Incroyable. J'imagine que t'y caches pas un dirigeable. Je ne crois pas, non. Mais j'y vois quelque chose. Oh non! Referme-la. C'est quoi ça? Je fais que ça! Referme-la! Je comprends pas très bien ce que je viens de voir là-bas. Bon. Mais je suis prêt à parier que c'est un truc qui nous fera tuer. Mais je pourrais... Je suis de taille à affronter ce qui nous attend. Crois-moi. Faites ce que vous voulez, je suppose. Alors... Munition fusil à pompe full. Ah, y'a un levier. Comstock, agenouillé face au ciel. Ok, ils sont pas les couilles. Ah, faut que je passe là, je crois. Il doit y avoir des bons petits trucs là-dedans. Ah, faut que je trouve un moyen de rentrer. Hop. Alors là. Crochetage impossible. Ok, il me faut un crochet. Peut-être qu'elle, elle peut le faire. Non, même pas. Ouh, un nouveau tonique. Je sais pas ce que c'est, on va tout de suite le découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Press to launch your enemies into the air. Ok, donc c'est pour mettre les ennemis dans les airs. To create an eruptive trap. Ok. Nickel. Alors, clic droit, ok. Donc c'est toujours le petit clic droit. Donc alors, que je me trompe pas, maintenant on a 4 pouvoirs, donc possession, corbeau, le truc feu et déferlante. On va aller tester ça dans pas longtemps. Ah bah tiens, comme par hasard. Nous donnerons une leçon à Corbeau. Je sais que vous considérez tout puissant. C'est lui. C'est le faux berger. Ah merde. En fait, c'est de la merde, ça les met juste dans les airs. Je crois que je vais vite changer parce que le fusil à pompe il est sympa, mais bon. Alors là, je vais prendre possession. Oh putain. Oh là là, je me suis fait piner. Alors, lorsque votre vie est sauvée, vous êtes en partie soigné, mais c'est aussi le cas de vos ennemis. Vous perdez également un peu d'argent. Ok. Alors, bah tiens, je vais en profiter. Ah merde, tout à l'heure, il n'y avait pas un... Ah ouais, il est là. Hop, on va le choper tranquillement. Et là, on va aller par là-bas. Par contre, ouais, je vais changer de pouvoir parce que c'est un peu de la merde. Je vais prendre... ouais, ça. Ça, j'en ai. Salut. Pas de pitié pour nous et pour vous. Oh, carabine. C'est quoi ça? Ah non, c'est de la merde, j'en veux pas. Ah, il y a Monsieur Corbeau, ça, j'aime pas trop ça.
Putain, mais il me fait un l'amour. Allez, donne-moi. Ah là, il y a un crochet. Est-ce que je peux les choper d'ici? Ouais. Et en fait, il y a peut-être un peu d'infiltration, hein, un petit peu à la Hitman. Hein. Je peux peut-être... Hop, cadavre. Alors là, il n'y a pas de crochet, bah je saute. Hein. Oh merde. Ah, je suis en combat encore. Il doit rester un... Merde, les lags. Il doit rester un gars dans le coin. Alors là, j'ai quelques lags parce que je suis en train de rendre une vidéo YouTube en même temps, donc il se peut que ça soit... Enfin, qu'il y ait quelques lags légers, donc rien de bien méchant. Alors par contre, il est où le bâtard? Ah, il est là. Allez, tous. Pourquoi est-ce qu'on ne peut jamais respirer? Bah, bonne question. Ça va être parfaitement fantastique. Ah, elle aussi, elle a un crochet, je savais pas, ok. Donc c'est pour ça qu'elle arrive à me tuer, en fait. Pourrait nous permettre de trouver des munitions. Ça me serait bien utile en cas de problème. Ça demande un peu d'effort, mais je ferai de mon mieux. Ok, donc là... Je m'accroche entre deux trucs. C'est dégagé. On peut prendre l'aérotram pour l'antre des héros ou chercher du matériel dans ce bar? Non, je vais direct à l'antre des héros. Donc désolé, comme je vous ai dit, on va pas trop explorer. Alors, oh bah... Ah, je peux accélérer, faire un demi-tour. Ok, donc ça, c'est demi-tour. Merde. Hop, là-bas. Enfin, c'est grand 8 ou quoi? Munitions. Et c'est quoi cette arme? Oulala, lance-roquette. Slate, figure-toi que je le connais. Munitions. Il est toujours aussi doué pour se faire des ennemis. Ouais, allez, on va se faire un kiff. Trouver l'électrocorps de l'entre des héros. Ah, ça pue le combat de ouf. Parce que là, vu tous les trucs qu'il y a... Fusil de précision. J'ai trouvé des munitions. Je vais tâcher d'en trouver d'autres. Oh putain, le petit sniper là. Trouvons vite cet électroquartz et décampons d'ici. Genre ? Le gars il s'est relevé. Ouais, je vais reprendre une mitraille parce que c'est là. Putain, j'ai déjà plus de munitions. Alors, je le saurai pour la prochaine fois. Je crois que je vais purek. Ah, c'est bien, je pourrais récupérer mes armes. Je vais purek pendant que je fais un rendu parce qu'on sent quand même une chute des FPS. Donc, ça, c'est pas top. Donc, c'est quoi ça? Je m'en fiche un petit peu. Nouvelle zone. Donc là, on se retrouve dans la zone... Bah, l'antre des héros. Donc là, normalement, on va trouver l'électro-quartz qui va nous permettre d'activer le truc qu'on a vu tout à l'heure et de se retrouver à Paname. Enfin, si tout va bien. Rares sont les hommes qui prennent position pour Dieu et la douce mère patrie. Y'a pas un truc pour acheter des munitions, là, au hasard? Voilà. Hop, j'étais en train de régler un truc en même temps. Activer les positions. Ah bah ouais, je suis con, je l'ai déjà... enfin, elle l'avait déjà fait. Freestyle. Ça, j'imagine que c'est quand j'en ai plus, donc j'ai pas eu le temps de tester. Tac tac. Ah dommage, j'ai pas assez de thunes. Donc dès que j'ai un petit peu d'argent, je vais tout de suite améliorer mes sorts. Ceux que j'utilise le plus, bien sûr. Donc je crois que je vais aller améliorer celui de feu. Notre prophète, le père Comstock,
commandant de la 7e cavalerie. Okay. Il a jamais mené la 7e. J'ai absolument aucun souvenir de ce type. Le caporal DeWitt a bien prouvé sa valeur ce jour-là. Oh mon Dieu. Slate ! Slate, c'est toi ? Tu as toujours été différent, pas vrai, Booker ? Ah putain, il y a toi, tu cherches pas la gloire. Bon, je vois bien que c'est pas vraiment le meilleur moment. Si tu pouvais juste nous laisser aller trouver cet électro-quartz, eh ben... Ce soldat de plomb comme Stock veut notre mort. On ne le laissera pas faire. Je crois que les ennuis approchent. Ah non. Mes hommes n'ont plus qu'à choisir. Ah non. Mourir aux mains d'un soldat de plomb ou d'un vrai soldat. Bon alors, tu m'ouvres cette porte. Ah merde, j'ai plus de munitions. Scope. Eh, en fait, elle est trop tigeante, elle a mis des munitions et tout. Il y a personne qui va dans mon piège. Je vais essayer de les attirer dans mon fucking piège. Tu vois ? Tu vois, tu es un tueur, Booker ! Que tu le veuilles ou non ! Donne-nous l'électro-quartz ! Si tu veux ce tonique, Booker, donne à mes hommes une mort honorable. Ok. Ils t'attendent à Wounded Knee et à Pékin. Y'a pas de soussaille, hein ? Je vais aller violer tes copains. Je vais essayer de vous trouver des munitions et du matériel. Mais ce n'est pas toujours. Ouais, je vais aller voir là-bas parce que c'est vrai que il doit y avoir quelque chose là-dedans. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est ? Bonne question. La révolte des boxeurs. Comment ça a fini ? À Pékin. C'est ma main qui a réduit la ville en cendres. Bien sûr. C'est quoi, c'est une exposition ? Ce n'est pas la version de Comstock. Ah, voilà, comme quoi j'ai bien fait de faire un petit détour. Alors, l'équipement vous procure des compétences uniques, nana, accepté. Vous êtes temporairement invulnérable lorsque vous récupérez de la santé avec un encas ou un kit de soins. Ouais, ok. C'est pas très utile, mais bon. Je vais le prendre quand même. Et je vais en profiter pour fouiller les caisses. Et revenir sur mes pas. What? Il fait quoi, lui? Ok, ok. Alors, toi, je vais fouiller les cadavres. Donc là, je crois que le rendu doit être fini, là, parce que je viens de passer à 60 FPS. Le pain jaune et les yeux bridés, ils nous trahissent. Donc là, ça va être plus fluide tout au long de la vidéo, donc ça va être, ça va être mieux. C'est comme Stock. Donc j'avais jamais essayé, je pensais qu'il était capable de faire les deux en même temps, mais bah non. Donc je le sais pour la prochaine fois, au moins. Ouais, je vais où ? Une mort de soldat ! Je ne suis pas prêt. T'as pas des munitions, copine ? Ouais, lui, il va me violer. Ah, je vais pas faire l'offre, alors. Je vous le dis direct. Maintenant, c'est elle qui me fait des piqûres. Alors. Montre-toi. Attendez. On ne peut pas perdre. Ah. Il va me mettre la rape, non. J'ai plus de munitions. Ah bah, il est dead. Tu vois, jeune fille, tu vois l'homme que Comstock aurait aimé être, un vrai soldat. Je refuse de faire ça, Slate. Donne-moi ah, Elisabeth, elle peut prochain veux. Port. Donc en gros, si vraiment j'ai, enfin, j'avais le temps, j'aurais été crocheté la porte qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Qui sont les danseurs fantômes? Wounded Knee. Et pour le coup, il veut qu'on aille voir l'autre exposition. Ah, d'accord. Donc dans les deux cas, j'aurais dû aller voir les deux expositions. Donc là, j'en ai déjà vu une. Et on va faire la deuxième ensemble. L'histoire qui n'a pas sa place dans leur livre. Donc c'est cool le sniper OS. Prenez des munitions.
Anti. C'est parfait. Ah, le Unscope qui passe pas. Par la baie. Donc là, on avait fait celle-ci, et maintenant on fait celle-là. Plomb s'est approprié les exploits des vrais héros. Wow. Mais ton compagnon, jeune fille, il s'est couvert de gloire le 29 décembre 1890. Qu'est-ce qu'il veut dire? Vaut mieux pas que tu le saches. La hache sanglante sous les clameurs. Je m'en bats les couilles de ce que t'as à me dire. Alors, où est-ce que je vais maintenant? Éliminer les hommes de Slate, ok. Donc là, logiquement, si je les bute tous, il va me donner ce que je recherche. Dis-lui, Booker, dis-lui comment on a retourné le champ de bataille, comme les héros de Sparte. Moi, j'entends encore les hurlements, mais comme Stock, lui... Voilà le soldat dont je parlais. Le genre d'homme que Comstock rêverait d'être. Vous voyez, je n'ai pas menti. Je cherche toujours. Aïe. C'est tout ce que vous savez faire. Des munitions, prenez-les. Vas-y, donne-moi des munitions, merci. Hop. Ah merde, j'ai plus de munitions. Et elle peut pas m'en donner H24 des munitions là parce que je suis en galère. Hein. Donnez tout ce que vous avez, soldat. Oh. Dégagez-le de sa couverture. Oh, un cristal. Enfin, un cristal, pardon. Oh mec. Ah ouais, j'allais dire, il se fait cramer la gueule, il est mort pas. Mec, je te le mets dans la tête. Hop, nickel. Ah putain, les hommes corbeaux, j'avoue, j'aime pas trop, ils me font un peu chier. Ah merde. Je viens ici. Putain, mais le gars, je dois lui mettre combien de balles de sniper là? Allez, tchuss! Tu leur as fait une fleur au cœur. Tu les as laissés mourir comme des hommes. J'ai rien contre eux. J'avais rien demandé, moi. Un héros se fait tout seul. Je me considère pas comme un héros. Alors tu es quoi? Si on supprime tous les aspects de Booker DeWitt que tu essaies d'effacer, que reste-t-il? Je dois aller où là? Reviens dans la rotonde. C'est bientôt la fin. Je reprends le fusil à pompe. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que vous effacez? Maintenant que t'es sorti de ta tour, tu vas peut-être finir par le regretter. Je préfère avoir le choix, monsieur DeWitt. Quel que soit ce qu'il m'en coûte. Vraiment. Et si tu te réveillais un beau jour, et que tu réalisais que tu t'es trompé? J'ai ce que tu es venu chercher, Booker. Tu me trouveras derrière le monument de la Première Dame. Retrouver Slade derrière le monument de la Première Dame, d'accord. Putain, c'est quoi ce comité d'accueil de ouf? Pensez ce qu'on veut de Madame Comstock. Cette femme avait des goûts très assurés. Si tu vois ce que Comstock a fait de mon histoire, regarde comme il réécrit la sienne. Alors, non. But the child took ill. Non, là, je peux être. Ok. La progéniture du prophète n'eut besoin que d'une semaine dans le ventre de notre première dame. Carabine. Bon, j'aime pas trop les armes au coup par coup, mais bon, on va tester. C'est un sacré oubli.
C'est probablement pas un accident. Putain, la lumière. Mais l'enfant tomba malade, et Madame Comstock pria pour lui jour et nuit. Vas-y, voilà ma tour. Écoutez, Daisy Fitzroy a assassiné ma bien-aimée, mais elle n'aura pas l'enfant. Elle n'entravera pas la prophétie. Bon, Elisabeth, viens crocheter la porte. La progéniture du prophète montera sur le trône et déchaînera les flammes sur les hommes. Tu es la fille de Comstock. Non, impossible, je... Mais non! Il veut que tu continues ce qu'il a entrepris. Et moi, j'aimerais un poney! Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut! Bon, meuf, tu viens m'aider là à crocheter cette putain de porte? Ok, demande un crochetage. Tu pourrais m'ouvrir ça? Ah, bien sûr que tu vas m'ouvrir. Ah, merde, je peux pas me tirer dessus, ça m'énerve. Alors, je vais vite faire voir ce qu'il y a là. Un voxophone. Donc les voxophones, autant que possible, c'est vrai que j'essaye de les ramasser et surtout de les lire pour qu'on puisse cerner un peu mieux l'histoire. Je faisais preuve de la plus grande générosité. Je n'étais jamais avare en souffrance, ni en trahison, que je ferais toujours de bon cœur. Et une fois le cœur de tous ceux qui m'aimaient piétiné, le prophète m'a dit « Rien de tout ce que tu as fait ou feras ne saurait m'empêcher. » Moi je peux passer, mais vous êtes trop large. Bah viens m'ouvrir, grosse bitch. Je fais comment, y'a pas un truc là? Je vais explorer, voir s'il y a un moyen d'avancer. Genre je t'attends là. Bon bah... Là. Ah ouais, j'allais dire. Est-ce que... C'est une faille, je peux faire venir des choses dans ce monde. C'est un point d'accroche, ça tombe plutôt bien. Je vous l'ai dit, les failles répondent à mes souhaits. Ok, point d'accroche. Elisabeth peut utiliser son hijab pour obtenir des failles. Très bien. Dites-moi si vous voulez que je fasse venir ce point d'accroche. Bah oui, je veux que tu le fasses venir. Et voilà. Je crois que d'autres surprises nous attendent. C'est quoi? Dès que je suis anxieuse, des failles se mettent à apparaître. Booker, vous voyez ces failles? Elles peuvent nous aider à nous battre. Putain, elle a ses pouvoirs, elle. Cette faille nous permettra de prendre de la hauteur. Et celle-ci nous donnera une tourelle. Une couverture. Je suis pas sûr de comprendre, mais je vais pas me plaindre. Moi non plus, j'ai pas trop compris. Et là, je suis dans sa faille. Putain, elle est trop tigre dans la main. Ah putain, je crois que c'est un lance-roquette qu'il avait là, le fumier. Booker, on se lève. Booker. Allez, lève-toi, Booker. Merde. Ah, j'ai failli. Voilà, là au moins j'ai la couronne. Comme pouvoir, je vais prendre. Ouais, je vais prendre ça. Ah merde, j'ai plus de tonique, ça va pas le faire ça par contre. Merci. J'ai trouvé des munitions. Putain, c'est quoi ça? Y'a pas des trucs à ramasser là dans le coin parce que j'aurais besoin de munitions. Et lui avec son lance-roquette, il commence à mébriser. Prenez ça. Impressionnant ce que peut faire cette petite. On ramasse, c'est quoi ça? Lance-roquette, bah c'est pour ça que tu mettais des tarifs. Ça suffit, Slate. On a besoin de ce tonique pour quitter Columbia. On le prendra par la force s'il le faut. Slate! Ouais. Bah heureusement que t'es là. Alors, chargeur amélioré, dégâts optimisés. Bah chargeur amélioré, j'avoue que... Je vais me le prendre. Alors, augmente la taille du chargeur du pistolet. Ah merde, c'est du pistolet, fuck. Si j'augmente...
Ok, 220. Dégâts optimisés. Augmente la taille du chargeur du pistolet. Augmente les dégâts de la mitrailleuse de 25%. Ouais, ça par contre, je vais me le prendre. Parce que la mitrailleuse, c'est une assez bonne arme. Nickel, donc voilà. Merci Elisabeth pour ces magnifiques Encore cadeaux. De l'argent. Ok. C'est parfait. T'as un cimer pour les sous. Mais la meuf, elle, en fait, c'est elle qui, tu sais, elle va me faire toute la quête. J'essaie de repérer ce tonique électroquartz. J'ai trop hâte de l'avoir ce tonique là. Alors. Notre héros agenouillé grâce au ciel. Notre héros agenouillé grâce au ciel. Des soldats de plomb, Booker. C'est ce que Comstock veut faire de nous. Des rouages et des câbles à la place du cœur. Alors. Wow. Le méchant qui va me faire peur. Et je suis sa main. Ouais, comme toi, mec. Les ennemis, ils sont chauds, mais moins chauds que... Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont fait, bah, comme d'habitude, les épisodes précédents, c'était les grandes sœurs ou les petites sœurs, je sais plus comment ça s'appelle. Bah, je peux te dire que ça, à chaque fois, je galérais bien à les tuer. Tandis que là, c'est vrai que... Bon, après, je joue en normal, donc c'est vrai que c'est pas pareil. Bon, allez, croche-moi cette porte. Il ne restera plus que le mensonge. Voilà, voilà. Allez, plus vite. Donne-moi ce que je suis venu chercher. C'est fait. Alors. C'est quoi ça? Nécessite 5 crochets. Ok, putain. L'endroit a été mis à sac. Il n'y a plus d'électroquartz. Slate a dû tous les prendre. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Fouiller la caisse. Ah mais je fais comment là? Clairement je sais pas quoi faire là. Alors retrouver celle derrière le monument de la première dame. Nécessite 5 crochets. Ok, donc faut que j'aille trouver des crochets, mais où est-ce que je peux les trouver, ces foutus crochets? Est-ce que... Slate, il est là. Ah, maîtriser Slate. Ok, j'ai un nouvel objectif. Elisabeth. C'est fait. Ouais, ça, je vais arrêter de les utiliser, en fait, c'est pour me présenter un petit peu l'histoire. Vas-y, maintenant. Je m'en occupe. Qu'est-ce que je dois faire? Les gars, je suis perdu là. Elle s'occupe de quoi elle? Ah mais ok, on doit aller par là-bas. D'accord. Ok alors. Maîtriser Slate. Bon, je vais m'occuper de ce petit fumier. Qu'est-ce que c'est? La flotte de Comstock. Il vient affronter Slate. C'est Slate qui a tué pour son pays à Wooden Knee. C'est Slate qui s'est battu à Pékin. Slate. Nous méritons une mort de soldat. Slate. Comme Stock arrive, Booker. Mais il veut plus que nos vies. Ah, c'est lui, Slate. Transformé en plomb. Je l'en empêcherai. Il a pris mon passé. Mais il n'aura rien d'autre. Donne-nous le tonique. Ah oui, ouais, on n'a pas lui. Besoin d'en arriver là. Et voilà les enfants, une vraie mort de soldat. Alors. Putain, je sens qu'il va me mettre tarif. Y'a pas une faille là? Tenez, c'est... Chouette. Putain.
Oh là, il y a un cristal. J'ai plus de munitions. Tu n'es pas le Booker DeWitt de mes souvenirs, soldat de plan. Bon, tu vas me le donner ce petit. Salut. Putain, il m'a fait pas des loups. Oh, ça pue le décès là. Je vous dis direct. Ça pue grave le décès. Oh, merci. Ça m'aide beaucoup. Et c'est les flammes vous purifier. Je vais prendre quoi? Ah, je vais prendre ça. Là, celle-là. Oh. Bon, je vais reprendre le feu. Je vais utiliser le truc de feu pour ces fumées. J'ai plus de munitions. Bah, je suis dans un tuyau. Allez, munitions. C'est tout ce que tu sais faire, soldat. Fais un effort, DeWitt. Bon, j'ai un voxophone, mais je vais pas le lire vu que. Attrapez, Booker. Vu qu'il y a l'ennemi là. Qu'est-ce que la vie peut-elle mieux que la foi? Soldat de plomb qui va m'avoir. Pour la foi. Allez, donne-moi des munitions. Ça pouvait pas mieux tomber. Ouais. Je suis. Je vais pas faire long feu là. Allez. Faut que je batte en retraite, prendre du soin. Tac. Prendre du soin. Pas mourir. Voilà, terminé mon soir. Et c'est quoi son arme? Oulala, canon à manivelle. Je vais kiffer. Franchement, là, au niveau des armes, ils ont fait un putain d'effort. Je me rappelle plus qu'il y avait autant d'armes dans BioShock. Alors, bon. Donc là, je crois que ça va être un épisode plus long que d'habitude. Parce que, enfin, je le sens. Là, je pense que je suis à un peu plus de 40 minutes. Peut-être que ça va faire 50 minutes, je ne saurais pas vous dire. Donc là, c'est lui. Ça met un certain temps avant qu'il se charge. On va oublier. C'est une banane, mais bon. Elle met du temps à charger, la coquine. Y'a pas un cristal là? Prenez l'électroquartz slate, ok. Donc on s'occupe de cette merde. Et après on va se quitter là-dessus, je le sens bien. Donc alors là je dois aller où? Je dois aller par là. Attends, je ne comprends rien. Peut-être que je dois monter. Ah non, prends l'électroquartz, mais je suis vraiment un gitan, il est là. Je n'ai pas fini, soldat! Tu dois terminer ce que tu as commencé. Allez! Putain, il est tout vieux. Ouais, non, je le tue. Ce bâtard, il m'a fait affronter ces sbires, là. Ils ne t'ont pas changé, Booker. Pas du tout. Oh non, faut qu'on voit. Headshot. Dommage qu'on voit pas l'action. Alors là, je lui prends son électroquartz. L'électroquartz. Bon, j'espère bon que vous doutez tous ce que c'est le pouvoir électrique, logiquement. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Peut-être glace. Ouais, non, électrique glace, je sais pas. Alors. Press to shoot
Ok, pour électrocuter vos ennemis. Maintenez le hachet pour poser un piège électrique. D'accord. Donc c'est l'électricité. Et on commence à se faire des petits trucs sympas là. C'était sans doute de la pitié. Les hommes de Comstock l'ont emmené. Retourner au mémorial et alimenter la nacelle. On fait ça et j'imagine que ça va être une nouvelle zone. Donc on va essayer de se hâter pour pas que l'épisode soit trop long et que vous vous ennuyez. Alors. Bon bah je te suis pétasse. Ah ouais, il y a encore des... Ça m'a l'air efficace. Vous savez, ces toniques sont vraiment puissants. Ouais, ouais. Je ferai de mon mieux pour vous approvisionner en cristaux. Ouais. Merci. On est au mémorial, ok. J'ai des baisses de FPS, des fois je sais pas pourquoi, je sais pas quoi c'est dû. On ne peut pas perdre. Ah, j'ai plus de munitions d'armes. Je vais t'aider. Je n'ai plus de munitions. Allez, allez. Ah, c'est bon. Des munitions. Prenez-les. Merci, copine. Je n'ai rien d'autre pour le moment. Oh putain, je l'ai violé, lui. Booker, je vois bien que ce qu'a dit Slate vous tracasse. Ah, fouillez boîte. Donc là, niveau thune, je sais pas combien je suis, mais je crois que ça doit être pas mal. Là, je vais peut-être pouvoir améliorer un. Et ceux qui prennent plaisir à le faire. Un tonic. Booker. Écoute, tu m'as l'air d'être quelqu'un de bien. Mais il vaut mieux que t'en saches pas trop sur moi. Le moins possible. Bon, je suis un peu paumé, je vous le cache pas. Hein. J'ai trouvé de l'argent. Merci. Vous voulez ? Bah bien sûr, je veux. Super. Putain, elle me prend vraiment pour un Romain. Dès qu'elle trouve une pièce... Alors, on quitte la zone et on va dans... Retour à la place de l'antre des héros. D'accord. Bah on va se quitter là-dessus et puis bah... Je vous dis à bientôt. Likez, commentez et on se retrouve dans le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.